sports. It's in the game. Bonsoir à toutes et à tous, si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateur pour vous faire vivre ce match. C'est notre feuilleton favori, place à la Ligue 1 Uber Eats pour un nouveau chapitre. Et il y a de la tension mais aussi beaucoup d'impatience dans l'air. Vous savez, ma mère m'a donné la vie, mais le football... Attention! Et Bambasso, ça part vite, ça part fort, quelques minutes de jeu et déjà un but. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et la petite volée plat du pied pour conclure. C'est un geste tout en maîtrise et légèreté. Le plat du pied vient en opposition pour rabattre le ballon dans la cage. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Johan Gastien. Ah, super, le ballon donné dans la profondeur. Ah, c'était bien parti, mais la défense est vigilante. Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Oui, il s'agit du premier but pour Lens. Un but à zéro donc. Ah oui, l'excellent ballon. Et hors-jeu qui est signalé, l'arbitre va lever son drapeau et le but est annulé. Oui. Oui, on va regarder sur le ralenti, hein, mais c'est pas évident du tout.
Excusez-nous de vous avoir coupé la parole comme ça. On vous confirme que le RC Lens vient de marquer dans ce duel. Ouverture du score, donc 1-0. Bien fait ça, sans faute. Attention, parce qu'il y a un but au Parc des Princes. Oui, c'est le premier but pour l'OGC Nice. Ah, il peut prendre sa chance. Ah ouais, le gardien se détend bien. Le corner. Ouais, la balle captée sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Ouais, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Et navré pour cette interruption tout à l'heure. L'info essentielle, c'est ce but de l'OGC Nice à l'instant. 1-0, ouverture du score. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Il frappe, c'est contré sans problème. Les Marseillais qui peuvent avancer dans le couloir. Du monde disponible à la tombée du ballon. Bombasso avec cette reprise exceptionnelle et ce ciseau somptueux. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. De l'espace pour l'OM sur le côté. Ouais, il y a de l'espace dans l'axe. Le danger s'éloigne. Excellente intervention. Attention à la frappe, et but, goal, 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 son deuxième du match, le doublé, inarrêtable, implacable, quel sens du but! Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et regardez, la pression défensive s'accentue, et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. C'est reparti, l'OM s'échappe, 3 buts d'avance pour les Phocéens. Ouais, c'est un ballon qui est bien donné. Et c'est intercepté, ça. Et les Marseillais ont du champ sur le côté. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Et non, finalement, ça n'ira pas plus loin. La fin des 45 premières minutes est donc pour le moment... Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Alors, on me signale un but dans un autre match. On va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus. Oui, c'est le premier but pour Ajaccio. Un but à zéro, donc, après 49 minutes de jeu. Très bien, et bien sûr, n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Et voilà, c'est un changement, donc. On voit avec ces chiffres, il y a un esprit réaliste dans cette équipe. Les occasions de but sont créées, les buts s'enchaînent, c'est ce qu'il faut faire. Mais attention, parce que ça pourrait encore s'alourdir. Ah, il perd ce ballon.
Et au programme des rencontres à suivre ensemble, nous avons de la Ligue 1 à vous proposer. Clermont affrontera 3. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Intervention décisive sur cette très grosse occasion, le danger est éloigné. Klaus reçoit le ballon. Et l'équipe retrouve la possession. Elle s'est envoyée vers la surface. Oui, c'est bien fait, c'est bien défendu. Johan Gastien, interception réussie, ballon récupéré. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Et ce crochet pour revenir dans l'axe, sans problème, dans les bras du gardien. Magnin. Ballon récupéré par les Marseillais. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Et oui, avec le deuxième but en faveur de Lens. Donc deux buts à rien pour l'instant. Tandis qu'on joue la frappe pour le but peut-être. Attention à ce ballon qui traîne. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Oui, sans faute, c'est récupéré. Quelle belle occasion gâchée, le ballon file en 6 mètres. Une minute d'arrêt de jeu minimum. C'est fini, le coup de sifflet qui renvoie donc les deux équipes au vestiaire et l'équipe visiteuse l'emporte. Toujours cette attaque généreuse qui nous offre des réalisations abouties collectives. L'action est dans le collectif, ils sont inspirés par les aptitudes. Ah oui, l'excellent ballon. Attention, et Bombasso, ça part vite, ça part fort, quelques minutes de jeu, et déjà un but. Attention à la frappe. Du monde disponible